Il y a des cinéastes dont la carrière interroge et fascine même dans un sens, faisant des choix alliant projets bizarres, œuvres ambitieuses et récits très prononcés, mais rarement très intéressants. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui a toujours interrogé les spectateurs et la presse par des choix de carrière n'allant pas tous dans le même sens. Paul W.S. Anderson est un réalisateur d'origine britannique qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 24 ans. Sa carrière est un ensemble assez difficile à cerner, celui-ci ayant fait le choix dès le début de son cinéma de s'imposer comme un auteur fasciné par la culture du jeu vidéo, mais lui prêtant finalement peu d'attention si l'on regarde de plus près les projets qui en découlent. Cherchant à allier une scénographie moderne avec des sujets de cinéma reliés à ses origines fondatrices, le cinéaste ne parviendra jamais à trouver un juste milieu entre création artistique et divertissement solide pour le grand public, parvenant finalement à se complaire dans le monde du bis. Et cela, on le ressent dès le début de sa carrière, s'imposant comme un modèle de passion pour le 7e art, mais étant consternant lorsque l'on regarde sa manière de créer des films. Pourtant, son cinéma attire les foules et passionne même les spectateurs, autant dans un sens positif que négatif finalement. Chacun de ses films semble aller dans la même direction, celle d'un irrespect profond des bases du divertissement, allant à l'encontre de ce qui marche au cinéma. Comme lorsque tout le monde cherchait à rester proche des effets plateaux, il décidait de passer au numérique. Et lorsque le numérique s'imposait auprès du monde, celui-ci choisissait de revenir aux effets plateaux. C'est un cinéaste qui fascine justement par cela, par cette envie de raconter des récits qui ne sonnent pas forcément en adéquation avec notre époque, mêlant ce qui marche auprès du grand public pour forger la base de ses films, pour ensuite s'amuser avec le reste de son œuvre et la détourner de manière plus ou moins subtile. Là où les péplums reviennent à la mode, il choisit de reprendre tous les poncifs du genre et de refaire un blockbuster crétin à la Roland Emmerich. Là où les films de course cartonnent, il ne choisit pas d'apporter de la nouveauté, mais de faire un remake avec plein d'effets plateaux. Sa filmographie est un paradoxe constant et pourtant fascinant. C'est en cela qu'il passionne, et à juste titre finalement. Car plus l'on regarde les films d'Anderson, plus l'on ressent ce qui le fascine dans le cinéma, les possibilités qu'il semble pouvoir en tirer et qu'il cherche à mettre en avant comme base fondatrice et créatrice de ses métrages, cette même base qui forge les grandes œuvres. Mais en choisissant de les ancrer dans une culture du bis, si chère à Roger Corman, le cinéaste se perd et décide finalement d'enfermer son potentiel cinématographique au profit d'une création bête et méchante, passant parfois pour du crétin pur et dur. Il a quand même réussi à détourner et créer des œuvres tournant en fresques fantasques et crétines, des légendes de la littérature française et des mythes antiques. Paul W.S. Anderson est en cela un auteur fascinant qui interroge sur les véritables motivations que peut avoir un cinéaste, car celui-ci est motivé par l'idée de divertissement et il parvient à ajuster cela en fonction du public. Oui, ses films sont de plus en plus crétins, mais étrangement, ses films cartonnent de mieux en mieux. Cela, il le doit à une forme de création cinématographique qui privilégie le plaisir coupable à l'idée même d'innovation cinématographique. Et malgré cela, on ne peut pas enlever à Anderson le fait qu'il s'est amélioré au fil des années et que si ses sujets sont crétins, sa scénographie gagne en finesse et en passion pour le cinéma à l'ancienne. De là, germe une passion étrange et galvanisante autour de ses films, comme si malgré ce ton débile et ce manque de finesse, Anderson gardait tout de même assez bien en tête l'idée même que le cinéma, c'est avant tout un plaisir profond que l'on doit partager avec le spectateur du début à la fin d'une œuvre. Plonger dans le cinéma de Paul W.S. Anderson, c'est chercher à bien laisser son cerveau de côté pour regarder un cinéaste détruire un peu de cinéma pour essayer de nous divertir. Car derrière ce massacre se cache finalement un cinéaste passionné qui ne veut pas détruire le cinéma, mais simplement jouer un peu avec lui et un peu avec nous finalement.